cette transe au bout d'un match atypique. Tout est parti sur des chapeaux de roue dans une affiche de football institutionnel. L'équipe du ministère de l'économie numérique et de la communication en bleu s'offre en finale les jaunes du ministère des enseignements maternels et primaires. Après trois chaudes alertes non concluantes pour les coéquipiers de Timothée Routon, les bleus se font récompenser à la 12e minute grâce à Ibrahim Issaou. Le même Ibrahim, en état de grâce, revient 18 minutes plus tard et signe un chef-d'œuvre pour un pilori. Une équipe des jeunes moins réaliste en seconde période. Nous, on n'a pas démérité, on a toujours joué. C'est parce que le meilleur a gagné. Bon, on ne peut pas dire que quelque chose n'a pas marché concrètement parce que, bon, peut-être il y a de bons joueurs, il y a de mauvais joueurs aussi. On peut espérer que, bon, la prochaine fois, nous serons aussi victorieux. Ce qui est normal, après avoir encaissé le premier but, l'équipe adverse est obligée de se découvrir. Donc il y a eu ce petit temps fort qu'on a su gérer et avant le deuxième but qui les a éteints presque complètement. C'est juste une inspiration du moment et le gardien est sorti. J'ai eu ce premier réflexe de faire un grand pont et de suivre pour marquer sur le poteau vide. Donc c'est juste une inspiration de l'heure, quoi. C'est en quelques secondes la décision a été prise. L'effort payant, c'est... Heureusement, l'équipe du ministère de l'économie numérique et de la communication qui est sacrée championne pour cette édition avec un score de 2-0, vous imaginez notre joie. On vous promet de revenir encore à l'édition prochaine pour reprendre le trophée. La deuxième édition du tournoi des institutions de la fonction publique TIFOP 2019 a visiblement comblé les attentes. Que cette compétition, notamment la finale, qui se déroulera désormais le 1er mai de chaque année, soit l'occasion pour les travailleurs de se retrouver autour du sport qui reste le meilleur médicament, qui reste le meilleur moyen de se maintenir en pleine forme. Et je veux vraiment dire merci au comité d'organisation, merci à toutes les équipes qui ont participé, toutes les institutions, les offices, agences et directions des structures de l'État. Et vraiment, merci à la presse sportive qui continue d'accompagner cet événement. Les équipes et les athlètes qui se sont illustrés au mieux au handball et en athlétisme repartent de Porto Novo avec des médailles et trophées. Preuve que le ministère des Sports attache du prix à la fête des travailleurs.